100% des projets sont réalisables en télétravail. Il faut bien sûr adapter la méthodologie selon le degré de complexité et d'exigence de l'activité. Cela passe par un audit des risques, en faisant très attention à la sécurité, un ajustement des sourcing agents, une formation commune sur site ou bien encore un pilotage spécifique et ajusté. Mais in fine, les résultats en termes de qualité et de productivité ne sont jamais dégradés. J'en prends pour preuve le NPS qui a été amélioré de près de 5 points chez un de nos clients leaders de la distribution alimentaire. La vérité, c'est que même pour les projets les plus complexes, on observe que les résultats sont à minima similaires à ceux sur site. Ce n'est donc pas la complexité qui fait le succès ou l'échec du télétravail, mais bien l'accompagnement déployé.